can act a fool without a reason why. Or you can act a fool without a reason why. It's spooky time, my favorite time. When we can act a fool without a reason why. Alors syllabus, l'explication est assez compliquée. Syllabus, si on l'écrit S-Y-2-L-A-B-U-S, c'est un mot qui existe dans le monde académique et qui correspond au document que l'on a en université, qui est un petit peu le plan de cours en fait. Donc ça a vraiment une notion académique. Mais je l'ai écrit en écrivant SCI pour le début de... Souvenez-vous, dans le 2080 de Stromae, on lui avait aussi demandé pourquoi est-ce qu'il s'appelle Stromae, et j'avais dit c'est assez intéressant parce que justement, ce genre de décision par rapport à son identité, chez les TI versus les FI, ça va souvent être fait de deux manières différentes. Enfin, je me souviens plus est-ce que j'avais dit ça exactement, mais en tout cas, on parlait aussi de comment est-ce qu'il avait trouvé son nom. Je me souviens même plus de ce qu'on avait trouvé pour Stromae, parce que je ne l'ai pas typé depuis. Mais en tout cas, là, on peut voir comment est-ce qu'elle a choisi son nom. Est-ce que ça a l'air d'être un truc... Ah, parce que ça sonnait bien, j'aimais bien, ça évoquait quelque chose qui me plaisait, donc j'ai choisi ça. Est-ce que c'est une décision F? Est-ce que c'est une décision par rapport à comment est-ce qu'elle se sent par rapport à la chose? Genre, quelle réaction physique ça va créer dans son corps? Parce que genre, vraiment, les F, c'est vraiment ça. Genre, c'est comment est-ce qu'ils se sentent? Comment est-ce que, genre, quel impact est-ce que ça va avoir sur eux, tu vois, de faire un truc? Sans tout de suite comprendre pourquoi, les raisons de machin, mais ils vont sentir, genre, ils ont un accès plus direct à vraiment, enfin, c'est ce que je disais avec les FI, genre ils ont un accès plus direct à genre à leur corps limite, sans réfléchir à la nuit par rapport aux sciences, par rapport à machin, le syllabus, je sais pas, genre il y a un truc qui sonne pas bien, non, j'aime pas, il y a aussi la basse, tu vois, ah ça j'aime bien, tu vois, genre ils pourront pas te dire tout de suite pourquoi, ils ont pas de raison logique, pragmatique, machin, mais il y a ce genre cette sorte d'immédiateté à c'est bien, c'est pas bien, j'aime ou pas, tu vois, genre c'est un truc, genre, bref. Elle, est-ce que c'est ça? Non, on voit que, d'accord, pourquoi est-ce qu'elle a choisi son nom? Alors, genre, pour t'expliquer, genre, ils doivent même, genre, mettre des trucs à l'écran pour expliquer son chemin, genre, son raisonnement pour trouver son nom. Genre, tu sais ce que je veux dire? À quel niveau de pensée et de pensée introvertie est-ce qu'on est là? Genre, tu dois bien prendre ton temps, faire une représentation visuelle pour que les gens comprennent. C'est pas de la pensée extravertie qui est facile, que tout le monde peut comprendre. C'est de la pensée, mais ils arrivent à la rendre accessible aux gens. Ils arrivent à connecter aux gens avec la logique, avec les explications, avec les raisons. Avec voilà comment est-ce que ça marche, voilà les raisons, pourquoi. Et ils arrivent à faire en sorte que ce soit un truc qui soit facile, que tout le monde, genre, tu sais, c'est pensée extravertie, genre sur un spectre, qui est compris par tout le monde, etc. Elle, est-ce que c'est ça? Non, limite, enfin, elle, on voit clairement, c'est un truc qui est trop compliqué, qui a du sens pour elle, mais qu'il faut, genre, faut bien faire étape par étape, tu vois. Est-ce que avec sa logique, elle a l'air de... Et c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qu'on voit, donc avec introverti versus extraverti, je parle de beaucoup de choses d'un coup, j'ai l'impression. Serais-je un OE? Non, quand même pas. Introverti, extraverti, c'est vraiment, moi, quelque chose qu'on voit beaucoup avec eux, c'est que ils vont, genre... Les extravertis, ils vont pas construire. Genre, ils vont pas prendre les trucs et les mettre, ok, ça, ça va, ensuite ça, ça, ensuite ça, ça, ensuite ça. Ils vont prendre F, S, N ou T, peu importe c'est quoi la fonction qui est extravertie. Ils vont prendre cette fonction-là et ils vont avoir tendance à juste les balancer. Genre, juste les balancer pour que ça fasse une pile, tu vois. Genre, ça va juste faire une grosse pile. Moi, avec mon intuition, c'est une grosse pile, tu vois. Je passe d'un truc à l'autre, je prends... une intuition, je prends un sujet, et après je passe à autre chose, etc. C'est très fouillis. Par contre, avec ma logique, c'est très minutieux. Tu vois, SE, SI. Les SE, ils vont juste aimer amasser des faits, ils vont prendre des trucs, ils vont les balancer. Ah, ça c'est cool, boum. Ah, ça c'est cool, boum, boum, boum. Ils vont tout me foutre dans leur sac, tu vois. Ça va juste être un gros tas. Les SI, ils vont, ça, ok, intéressant. Ils vont le poser. Ensuite, un autre truc, ok, attends, genre. Nouvelles informations, etc. On y va progressivement. Ils vont le prendre, ils vont le poser. Il faut que ce soit bien organisé, etc. En fait, c'est pareil avec toutes les fonctions. Et du coup, TE versus TI, ça fait souvent que du coup, les TI, genre, c'est un raisonnement qui est empilé. Genre, c'est un raisonnement qui a été construit au fur et à mesure. C'est pas des raisons qu'ils vont balancer. Et ils vont commencer à pouvoir débattre avec tout le monde en balançant des raisons où certaines sont un peu nulles, certaines autres sont bien, tu vois. Non, genre, vraiment, ils réfléchissent à leur truc. Et quand ils t'expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont pris telle ou telle décision, faut suivre le raisonnement. Il y a un truc, genre, il y a un ordre, et quand ils vont t'expliquer, ça va, genre, étape 1, étape 2, étape 3, du coup ça, et ensuite, vous voyez, vous prenez ça, tu vois, à faire ce genre de geste-là,
quand vous prenez si, en fait, ça fait par rapport à syllabus, machin. Enfin bref, je vais la laisser expliquer, mais bref, tout ça pour dire, c'est de la pensée introvertie, ce style de manière de réfléchir à une décision, c'est de la pure pensée introvertie. LAB pour le laboratoire, parce que j'aime cet aspect expérimental, et US comme us pour le côté rassembleur. Donc on a un côté académique, un côté scientifique, un côté expérimental et un côté rassembleur. Syllabus. J'ai pas compris. Rassembleur. Donc on a un côté académique, un côté scientifique, un côté expérimental et un côté rassembleur. Ok. Bref. We need to give more PlayStation 5, Jack. It's a national embarrassment. First question. What's on your agenda for the rest of the month, sir? It's spooky time. It's spooky time. My favorite time. When we can act a fool without a reason why. Spending my whole paycheck at the Spirit Halloween. You have trusty as a Fortnite default, only half ironically.